Messie ne se serait pas permis d'échouer. Nous lui avons fait confiance pour qu'il nous rachète. Le véritable Messie n'aurait pas échoué. Il y a une semaine, j'étais là et je l'ai vu passer ses portes sur sa monture, accueilli comme un roi. Et maintenant, il est mort. N'avait-il pas dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai » Il a fallu 46 ans à Salomon pour le bâtir. Oui, mais il ne parlait pas du temple fait de pierre, mais de son corps. Tu vois ce que je veux dire, Cléopas? Il a dit beaucoup de choses difficiles à comprendre. Luc, les personnes à qui il s'adressait ont ignoré même les enseignements les plus simples. Et malgré son amour pour chacune d'elles, il a été abandonné. Même par ses amis les plus proches. Je suppose que nous attendions que le Messie qui nous délivrerait de l'oppression vienne en roi de gloire. Son message d'amour a apporté une liberté nouvelle aux croyants. Comme à l'aveugle à qui il a dit « Ta foi t'a sauvé ». Et à la femme adultère « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Ou aussi à Lazare qui était mort et qui maintenant vit. Il a véritablement donné paix et espoir à tous les gens qui voulaient le recevoir. Mais ce faisant, il a donné sa vie et il n'est plus avec nous. Mais Luc, son amour et son message demeurent. S'il y a une chose que j'ai apprise de son message, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Viens, allons aider cet homme, comme l'aurait fait notre maître. Laissez-nous vous aider. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il a choisi le chemin qui conduisait à la mort. Comment la mort peut-elle signifier la vie? De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si triste? Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Qu'est-il arrivé? Jésus de Nazareth, un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, a été trahi et crucifié. Quelques femmes d'entre nous disent que le sépulcre est vide et nous ne savons pas où ils ont emporté notre Seigneur. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses pour entrer dans sa gloire? Pensez aux paroles écrites par les prophètes sur le Messie. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il est méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Beaucoup d'autres choses ont été écrites. Comment se fait-il que tu comprennes tellement les Écritures, que tu nous fasses pleurer quand nous les entendons? Et où vas-tu, voyageur? Sur le chemin d'Emmaüs. À la maison de mon père. Faisons donc nos actions de grâce. Et rompons le pain. Notre Père, qui es aux cieux, en vérité, j'ai ressenti sa présence lorsque nous marchions. Mais ma raison a troublé ma foi. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait et nous expliquait les Écritures? Le monde actuel n'est guère différent de celui que Luc et Cléopas connaissaient. Même si notre cœur brûle au-dedans de nous, la confusion et le doute triomphent de nous et nous perdons espoir.
Deux disciples ont trouvé cet espoir sur le chemin d'Emmaüs, en marchant sur le chemin du Maître qui a dit « Viens et suis-moi ». Sur ce chemin qui mène à lui, où nous trouvons-nous ?